croyez pas, n'est-ce pas? Laissez-moi vous expliquer. Le foin sert à nourrir les chevaux qui, à leur tour, tirent nos charrettes, lesquelles transportent nos marchandises vers d'autres cités, où les ventes sont conclues. C'est de cette façon que notre économie prospère. Et je ne parle pas du bétail. Je sais pas trop comment faire, en fait. Pour leur subsistance. Et, comme vous le savez, ils nous fournissent toutes sortes de produits indispensables. Laine, viande, lait. Pour ne donner que quelques exemples. Vous comprenez? Voilà. Est-ce qu'il va passer par là? En vrai, oui, je pense, non? Dans les mains de l'ennemi. Alors ne prenez surtout pas cette mission à la légère. Vous ne devez pas oublier que notre avenir à tous en dépend. Non, il va pas venir par là. Par contre, il va là-bas. Le problème, c'est que lui est sur le chemin. Lui est là. Éventuellement, il faudrait que j'y aille quand lui il a le dos tourné, mais j'ai pas l'impression qu'il tourne le dos. Pourquoi il regarde moi en fait? Regarde, il me regarde moi. Ouais, faudrait que j'aille maintenant. Mais ouais, j'ai une frame de 10 secondes, gros. Non, vous avez vu personne, mon ami. Ok. Est-ce qu'éventuellement je peux pas le tuer d'ici? Je pense pas. Est-ce qu'éventuellement je pourrais pas? Je ne sais pas moi. En vrai là, j'ai pas trop d'idées, hein, les gars. Il y a beaucoup de gardes, faut pas que je me fasse repérer. Non, c'est chaud, ouais. Lui, je peux éventuellement le tuer au fusil, je pense. Mais lui. Ok, donc ça c'est bon. Je peux éventuellement me mettre dans celui-ci, tuer le garde et aller dans celui d'après. Oui. Ça, je peux le faire. Voilà. Quoi? Mais pourquoi t'es sorti de la botte de paille? Espèce de con, putain! Bon. Au moins, on sait comment faire. Déjà, c'est déjà ça. Il est mort. Il est mort. Lui. Mort. Je crois que c'est parce que j'ai appuyé sur RT en fait. Est-ce qu'il passe devant? Je crois pas. Mais aussi insensé que cela puisse paraître, vous devez comprendre que notre survie en dépend. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Laissez-moi vous expliquer. Ah si. Le foin sert à nourrir les chevaux qui, à leur tour, tirent nos charrettes, lesquelles transportent nos marchandises vers d'autres cités où les ventes sont conclues. C'est de cette façon que notre économie prospère. Ah, il est parti voir le cadavre. Ah putain. J'imagine que sinon il serait passé devant. Je suis terriblement déçu. Felice notte.
peux éventuellement. Y'a personne, les gars, y'a personne. C'est. Dans la tête. Bon, je l'ai tué lui au moins déjà. Il m'emmerdait très légèrement. Bah, toi, tu m'emmerdais pas spécialement, mais tu es mort. Voilà. Je suis désolé pour toi, mon ami, mais. Faut l'être moins con. Hein. Oui, bonjour, oui, bonjour. Bonjour, mon ami. Comment vas-tu? Salut, ça va? Bonjour, mon ami. Voilà. Facile, finalement, cette mission. Tu as laissé ton peuple mourir de faim. Pourquoi? Je ne supportais plus leur insulte. Je ne pouvais plus tolérer leur affront et leur arrogance. Je voulais gagner leur respect. En tout cas, tu n'as pas gagné le mien. La mort est parfois douloureuse. Mais le sommeil éternel est paisible. Requiescat in pace. Ah, d'accord, ils sont en train de monter la révolution. C'est la révolution française, en Italie, évidemment. D'accord, oui. Pardon, j'ai été trop vite pour le jeu. Alors, le prochain Jean-Charlie est ici. Et après, il m'en restera 3. Bon. Mais éventuellement, je ferai les points d'observation en même temps. Parce que faut que j'y voie quelque chose hein, quand je ferai mes trucs. J'ai encore tué personne, frère, comme ça. Ok. Bon. Gardez un œil sur ces caisses. Leur contenu ne doit pas tomber en de mauvaises mains. Montez à bord du navire sans vous faire repérer et éliminez le marchand. Yes, mon ami. Quelque chose me dit que ces fauteurs de troubles feront moins les malins quand ils seront. Pourquoi je peux pas me faire repérer en vrai? Je ne comprends pas par quel miracle les mecs ont encore une influence sur cette cité. Eh mais bon, si tu tuais les deux, Ezio, voilà, ça ne se passerait pas. Tu fais bien des doubles meurtres aériens en général. C'est juste que là, tu es trop con et trop feignant pour pouvoir faire un double meurtre, c'est ça? Ok, bon, on va sauter dans l'eau. Visiblement, c'est à la nage qu'il faut que j'y aille. Par un miracle qui s'appelle Ezio Auditore. Bon.
Si vous venez un par un, moi ça me va. Il va rester là-haut ou il va descendre? S'il reste là-haut, moi je vais par. Vous, avec la capuche, arrêtez! Attendez un peu! Attendez les gardes étrangers! C'était drôle. Non, c'était pas drôle. Ezio, tu es une grosse merde. Voilà, c'est dit. Faut pas que je passe par là parce qu'évidemment. Je sais pas, des fois je comprends pas trop le délire en fait avec je sais pas, je honnêtement le délire avec ces assassinats comme ça en fait où il sort des planques, je comprends pas en fait. Bon, vaudrait mieux que je me fasse repérer. Allez. Je me demande si on peut pas aller l'assassiner directement. Genre en passant par là. Ce serait plus simple en vrai. Je pense que je peux le faire. Ah mais il est à l'intérieur. Ah ouais non c'est chaud. Ouais non c'est chaud. En plus il y a deux brutes. Oh là là, c'est terrible, ça va être super chaud. Alors déjà un de moins. Je crois que c'est bon. Ok, je crois que c'est bon de ce côté-là. Faudrait éventuellement que j'arrive à faire l'autre côté, mais il faudrait que je tue l'autre, non? Est-ce qu'il va me voir? Oui. Attends. Est-ce que éventuellement je pourrais l'attendre au bout du quai là? Je pense que oui. Je pense pas qu'il me voit en haut. Je ne pense pas. Oui, c'est bon. Lui non plus il va pas me voir, oui c'est bon. Ok, donc j'attends celui-là. Je le marave sa petite moule. Il va mettre 15 ans. Je lui marave cette petite moule. Je monte là, je tue les deux gardes ici. Non. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas? Où est-ce que je l'ai déjà rencontré, celui-là?
Ok. Bon, maintenant que celui-là est mort. Mais ils m'ont... Mais d'où ils m'ont vu ? J'y étais. Ah putain, j'ai attendu. Non, on va pas là. Au moins, lui est mort. Voilà. Bah viens. Je danse le mec à Rennes. C'est un fantôme qu'on poursuit. Oui, bah alors s'il te plaît, tu peux arrêter d'être vigilant, te remettre normalement et venir. Je suis sûr qu'il était là. Attendez, hein. Parce qu'évidemment ma femme me parle en même temps. Mais d'où il me voit en fait? De l'autre côté il me voit pas et de ce côté là il me voit. Ça a pas de sens gros. Est-ce que éventuellement il y a une autre stratégie? Je crois pas. Je peux pas passer sur le quai là. Là faut que je tue lui. Bon, on va tuer lui. Il m'a repéré, ça se voit. Hein. Ça s'est vu qu'il m'avait repéré. Hein. Il a eu le temps de hurler et de donner l'alarme d'ailleurs. Bon. Éventuellement, un pas se casser le cul, je pense. J'en ai marre. J'en ai marre de ces missions, wesh. Gros, il y a un moment, tu peux pas passer de la difficulté normale à la difficulté expert, en fait. C'est pas logique. Bon, faut tuer lui de toute façon. Parce que sinon, il m'emmerde. Le problème, c'est comment on le tue. Le problème maintenant. C'est tuer les autres sans se faire repérer en fait, c'est ça le problème. Bon, lui en soi c'est facile.
L'autre, ça va être facile aussi. Parce qu'ils viennent là. Donc ça. PTDR. Je peux tuer ces deux-là, hein. Ça c'est sûr. Quasiment sûr. Bah, le problème, c'est qu'il faut que je les tue les deux en même temps. Et ça va être dur. Je pense que c'est compliqué. Ok, bon, lui est mort. Maintenant, faut tuer ces deux-là, mais... Le problème, c'est comment je les tue. Savonarole nous fera entrer dans une nouvelle ère. Une ère de fraternité, sans me faire voir. Et de justice. Okay, bon, on va lui me repérer déjà, ça tombe bien. Je vais le perdre. Viens. Et viens. Est-ce que si je tire comme un débile... Non. Je sais pas. Quelque chose me dit que ces fauteurs de troupes seront moins les malins quand ils seront privés. Comment je fais pour les tuer eux sans me faire repérer en fait? J'ai pas de bombe fumigène parce que je les ai tous usés comme un con sur une des missions là. Enfin, pas comme un con, hein. C'était la mission la plus dure évidemment. Le problème c'est que éventuellement. Honnêtement, là, je sais pas du tout comment tuer celui-là, en fait. Il y a un truc, je dois pas comprendre ou... Je sais pas. Parce que, en vrai, est-ce que vous voyez une solution, vous, là? Personnellement, j'en vois pas, hein. Si les couteaux de lancer one-shotaient, il y aurait pas de soucis. J'irai au couteau de lancer en fait. Ce serait largement plus simple, mais je peux même pas one shot au couteau de lancer. Putain, je vois pas du tout comment faire. Je ne comprends pas par quel miracle les Medici ont encore de l'influence sur cette cité. On peut éventuellement tuer ces deux-là, de toute façon. Ceux-là, ils sont gratos, en vrai. En tous les cas, ceux-là, ils sont gratos. Lui, il est pas gratos du tout. Enfin, eux, je sais pas comment les tuer. Eux, c'est pareil, genre. What the fuck? Comment je tue ça? Ah, tu m'expliques? Je peux pas monter là, on est d'accord. Ne le laissez pas s'enfuir. Ah oui. Si je monte là, je me fais repérer, donc c'est même pas la peine. Comment je fais? Comment je fais?
le seul moyen, j'ai l'impression que c'est d'avoir des bombes fumigènes en fait. Je vais pas l'acheter des bombes fumigènes. De toute façon, je vais faire le plein de tout. Vous serez satisfait, je vous le garantis. Dans tous les cas, j'ai l'impression que la fumigène est la meilleure solution. Mais même pas, je crois que c'est parce que je crois que si je mets une fumigène, je vais me faire périr, on est d'accord? Je sais pas. Je vois pas du tout. En fait, c'est trop dur. Il y a un truc que j'ai pas tenté, c'est tuer les deux mongols en haut là. Tu me vois par rapport à quoi, frérot? Évidemment, le PC se dit que c'est une bonne idée pour ramer. Le problème, c'est qu'il y a trop de paramètres. Et notamment lui, lui est chiant en fait. Ok. Je peux pas utiliser les cadavres en plus parce que il faut que je tue forcément. Le problème c'est que l'un des deux sur le côté va me voir, donc il faudrait que je tue lui là, que je tue ces deux là quand lui a le dos tourné, quand l'autre a le dos tourné, parce que l'autre je peux pas le tuer puisque visiblement les gardes me voient. Pour une raison que j'ignore. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Lâche ça, parce que tu vas faire une connerie. Quelque chose me dit que ces fauteurs de troupes sont au moins les malins. Bon. Maintenant, faut que je tue les deux là. Il faut que je tue les deux là en un coup. C'est ça mon gros problème en fait aussi. Appuyons sur cette cité. Ah, il est vrai qu'autrefois je les considérais comme un protecteur. Mais depuis, le prophète m'a ouvert les yeux. D'égalité et de justice. Est-ce qu'éventuellement on se ferait pas ce garde là comme ça? Ah mais ça le tue peut-être pas. Il suffit de briser nos chaînes et d'oublier notre passé tumultueux et de considérer. Mais non, putain. Alors le coup de fusil n'a pas marché, on notera aussi ce magnifique bug. Est-ce que j'aurais pu juste tomber derrière? Je sais pas si c'est possible. Ouais, bon. Alors on va recommencer comme ça. Bon, éventuellement on peut essayer de tuer lui dès le premier coup. Non, visiblement non. Jean-Michel ne veut pas. Jean-Michel se dit que c'est une bonne idée de me casser les couilles. Ouais, je peux tuer les deux gardes là tranquillement. J'ai pas besoin de passer. Normalement, j'ai pas besoin de passer par autre chose.
Il est déjà mort apparemment. Ok, bon, ces deux gardes là c'est fait. Du coup. Il nous suffit de briser nos chaînes et d'oublier notre passé. En soi, celui à l'extérieur, je suis pas obligé de le tuer non plus. J'ai rien dit. Je crois qu'on va le tuer moi aussi. Il va être chiant sinon. Ta mère. Tu me vois pas là en fait. Je suis désolé hein, mais visuellement t'as aucune chance de me voir en fait. Même là tu me vois pas. En fait, donc calme-toi mon ami. Mais non. Je suis désolé hein, mais là cette mission est en train de me détruire psychologiquement. Autant l'autre qui m'a fait chier là où il fallait que je monte, c'est ma faute quoi. Je veux dire, j'ai plein de moyens de pas me faire repérer, mais celle-ci, je suis désolé, mais c'est en aucun cas. Alors j'ai vu les démons du profit et les déchirons. Ah, je suis terriblement déçu. Ah, imagine là serait passé. Ah, ça aurait été beau. À cause d'un vieux bug. Ça aurait pu passer en plus. Hein, juste, à cause d'un autre bug, ça a annulé le premier bug. C'est quand même terrible, hein. De cumuler des bugs au point que ça annule d'autres bugs. C'est Attends, en plus je viens de me faire vacciner les gars. Fumigène, ça marche pas. De mémoire, la fumigène, ça ne marche pas. Un de moins déjà. Est-ce qu'on attend que l'autre passe? Ah, c'est chiant parce qu'en fait, faudrait que je tue l'autre déjà là, celui qui est sur le ponton. Encore arrivé, fils de... Est-ce que je peux tirer dessus à partir de là? Voilà. Alors là, tu m'expliques comment il a la vision sur moi et que moi je l'ai pas en fait. C'est clairement un bug pas corrigé. Le garde me voit à travers le mur, c'est pas normal. Bref, c'est pas grave. Je vais mourir comme ça visiblement. Mais non, mais... Mais j'en ai marre de vous, en fait. Mais vous comprenez pas la logique du... De la plateforme, en fait. Y a un truc devant vous. Y a un truc devant vous, vous ne me voyez pas. À moins d'avoir une vision laser que vous puissiez voir à travers la matière, vous ne me voyez pas. Arrêtez de me voir.
Le pire, c'est qu'à cause de ce petit garde de mort en plus, hein, il y en a qu'un. Il n'y a qu'un qui m'emmerde. Bon, ouais, déjà, on va attendre lui. Visiblement, c'est lui qui me casse le plus les couilles. C'est lui qui m'a repéré. C'est terrible. Merci Ezio, merci pour ça. Merci pour ce moment. Hein, merci vraiment, merci. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur cette putain de mission, mais ça doit faire au moins une heure. Quand je ferai le découpage, je mettrai la vidéo en entier. Hein. Évidemment que vous puissiez savourer avec moi cette magnifique mission pondue par les développeurs. Pas se le cacher, à l'intelligence très réduite. Ezio, tu... Et de considérer le Seigneur comme notre sauveur et notre seul guide. Je suis en train de me faire péter un câble. Il s'arrête pas pour me voir là, donc ça c'est bon. Normalement l'autre aura le temps de revenir avant que lui fasse son tour. Ok. Ça c'est bon. Mais depuis, le prophète m'a ouvert les yeux. Alors j'ai vu le démon du prophète. Je commencerai légèrement d'avoir marre. Mais alors, un point. Un point. Mais là, en fait, il n'y a aucune justification pour qu'il me voit, à part qu'il ait une vision de... Je sais pas, moi... Une vision à rayon X, en fait. C'est... Y a que ça. Je veux dire, il y a... Pour qu'il puisse me voir... Déjà, le double meurtre n'a pas marché. Au passage, on va le noter. Pour qu'il puisse me voir, faut qu'il soit vraiment attentif sur le truc, quoi. Et en plus, faudrait qu'il soit... faudrait qu'il voit à travers les rambardes, en fait. C'est un problème. Le problème aussi, c'est que, bah voilà, là j'ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Contre Jean-Charlie là, qui me voit d'en haut. On sait pas pourquoi. Lui là, qui met 15 ans à faire son tour de ronde et qui me voit également d'en haut. Je suis désolé, mais lui c'est le pire. Hein. Voilà, parce que... Ok, là c'est bon, j'ai eu le temps de le tuer, ça me va. L'autre va potentiellement le voir, mais c'est pas grave. Parce que j'ai le temps... Ouais, j'ai le temps de monter et de le tuer avant qu'il puisse voir le cadavre et descendre. Ok. Le problème c'est lui. Lui là, comment le tuer? Je peux pas tirer de là. Je peux essayer de me faire voir en vrai.
Alors j'ai vu les démons du profit. Ils s'en bat les couilles. Je danse la Macarena sur le pont, mais ils s'en bat les couilles. Très bien. Troll nous fera entrer dans une nouvelle ère. Une ère de fraternité, d'égalité et de justice. Il nous suffit de briser l'eau. Viens. Je n'ai pas envie de me poser de questions. À ce stade-là, je crois que j'en ai plus rien à foutre en fait. Est-ce que éventuellement je peux empoisonner? Je ne comprends pas par quel miracle les Medici ont encore de l'influence sur cette cité. On va entendre des trucs, hein. Point où on en est. Je crois qu'on en a plus grand chose. Tu peux ça, tu peux arrêter. Merci. On pourra entrer dans une nouvelle ère. Une ère de fraternité, d'égalité et de justice. Il nous suffit de briser. Au moins il meurt. Encore un mort. Tu peux éventuellement me lâcher en fait. Quelqu'un a vu ce qui est arrivé ? Ce mec s'en fout. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, comment ça va, mon ami? La vie, tout ça. On se fait un petit café après le boulot? Non? T'es sûr, hein? Moi, je t'invite, tranquille. On se prend un petit café, tout ça, quoi. Le problème c'est que ton pote derrière il va me voir. Ok. Visiblement tu es con. Remonte sur ton bateau, va reprendre ta place. Me casse pas les couilles, gros. Je te jure, je suis sur un point que tu vas pas me casser les couilles. Hein. Quelque chose me dit. Mais casse-toi toi aussi en fait. Mais lâche-moi. Mais gros, t'es bugué, putain! Mais le mec, il me suit, en fait. Il veut me suivre jusqu'au bout de la planète, ou... Merci. Oh là là... C'est terrible d'avoir des bugs comme ça dans un jeu qui t'es pas censé avoir des bugs comme ça, quoi. C'est... Putain, sur l'une des dernières missions en plus, hein.
qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Casse-toi! Mais casse-toi! Mais c'est quoi ton problème? Sur cette cité. J'avais pas sélectionné le poison. Quand même très proche du but. J'ai pas envie de perdre. Est-ce que je me précipite ou pas? Le Seigneur comme notre sauveur et notre seul guide. Il était là. Je croyais qu'il fallait rentrer à l'intérieur. Mais qu'ai-je fait? Tu as voulu imposer ta foi au peuple. Parfois, il faut dicter au peuple ce qu'il doit penser. Rien de bon n'est sorti de tout cela. Mon cœur est harcelé de doutes. Mais mon esprit reste lucide. Requiescat in pace. Vous vous rendez compte quand même que ça fait quasiment... je suis sûr que ça fait une heure que je suis dessus. C'est un truc de ouf. Ça fait une heure que je suis sur cette putain de mission. What the fuck? C'est pas normal d'avoir des missions avec des difficultés aussi extrêmes. Je veux dire, là, t'as pas le droit à l'erreur une seule fois. Et encore, si c'était que ça en fait, s'il y avait que des erreurs, ça va. Mais en plus, le jeu est mal codé. C'est terrible. Putain, je me rappelle plus avoir subi ça. Ah, j'espère qu'il y en a plus des comme ça, parce que ça va me gaver. Putain, what the fuck. Bon, allez, joie bonne humeur, on joue à Assassin's Creed, on est content, on est heureux. La vie, c'est pas du salami.